Mais comment dire d'où ou de quoi nous provenons? Oh, le brassage perpétuel, infini des particules. Mais où sont les neiges d'antan? Atomique, ou plutôt subatomique, ou peut-être bien plutôt subatomique, ou subatomique, dont nous sommes faits. Où donc était-elle il y a 1 billion d'années? Et ces mêmes particules élémentaires, où étaient-elles il y a 1 trillion d'années, 1 quadrillion, 1 quintillion, 1 nonillion d'années? Le jeune homme schizophrénique était maigre, comme beaucoup de gens dans de tels états mentaux. En effet, il semblait plutôt dénourri. Peut-être était-il même dans un état de marasme. Du moins, sa mère semblait-elle quelquefois penser ceci. Les os malaires du jeune homme faisaient saillie nettement, les joues étaient creuses et les veines étaient bien distinctes à travers la peau mince. En conséquence de sa vie très sédentaire, presque celle d'un invalide, il avait très peu de musculature et était très faible, cette faiblesse étant peut-être un important facteur de la grande peur que reflétaient ses yeux grands ouverts. Peur de la nature ainsi que de ses semblables. Peur de la mort aussi bien que de la vie. Son visage et en particulier sa bouche
semblait le plus souvent grimacer par un mélange de tristesse et de douleur, la bouche étant du reste plutôt petite et les commissures des lèvres dirigées en bas. Le jeune homme avait été dans beaucoup d'hôpitaux d'aliénés. Presque toutes les fois son transport, sinon aussi son admission automatique ayant été arrangée préalablement et à son insu par sa mère, comme très souvent le fait d'une telle manière sournoise avec les gens que les psychiatres jugent ou du moins disent malades. En ce cas, le diagnostic avait été la schizophrénie. Terme emprunté au grec et qui veut dire étymologiquement esprit fendu. Sa mère parlait d'une voix très haute et très aiguë, bien qu'elle pût vraiment chuchoter au téléphone quand elle voulait clandestinement arranger l'admission de son fils à l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire à son insu. En dépit de son incapacité apparente, le psychotique avait une idée outrée de sa compétence. Parfois même, il avait le sentiment de pouvoir faire presque n'importe quoi, en n'importe quelle spécialité, si seulement il voudrait, et que sa faiblesse majeure fût son manque de décision, ses pensées lui donnant l'excuse de gaspiller beaucoup de temps à rien faire que penser quoi faire. Rétabli chez sa mère, pendant du moins un semestre, après s'être évadé de l'hôpital psychiatrique où, bien entendu, sa mère l'avait fait placer, le schizophrène se passionna soudain pour l'étude des langues. Il se décida à perfectionner ses connaissances dans deux langues germaniques et romanes, et plus tard même il élargit ses études des langues à une langue sémitique et une langue slave, sans en mentionner encore d'autres. Il poursuivait avec une vraie manie ses études. Il tâchait systématiquement de ne pas écouter sa langue maternelle, qu'employait exclusivement son entourage et qui est parlée par plus de gens que n'importe quel autre, excepté le chinois. Pourtant, comme ce n'était guère possible que ne point écouter sa langue natale, il essayait de développer des moyens d'en convertir les mots presque instantanément en des mots étrangers, chaque fois que cela pénétrerait à sa conscience, en dépit de ses efforts de ne pas les percevoir. Cela pour qu'il pût imaginer qu'on ne lui parlât pas cette maudite langue, sa langue maternelle, l'anglais. En effet, il nourrissait des réactions parfois aiguës, même douloureuses, que de l'écouter sans qu'il pût vite en convertir les vocables en des mots pour lui étrangers ou détruire d'une manière constructive les vocables qu'il venait d'écouter de cette sacrée langue, l'anglais. Le jeune homme aliéné n'avait pas l'argent suffisant pour vivre à l'étranger.
sans parler des défectuosités de son caractère, sinon bien plutôt de la folie, car malgré toutes les hospitalisations, malgré toutes les confrontations avec des psychiatres, malgré les 20 électrochocs et malgré les 100 insulinochocs, le malade reste toujours schizophrénique. Il n'avait guère coopéré avec les thérapeutistes. L'étudiant de langue schizophrénique se trouvait un beau jour d'été assis avec son père sur un banc dans un parc public. Peut-être il était assis sous un chêne ou sous un orme ou sous quelque autre arbre. Peut-être le ciel était quelque nuageux. Peut-être enfin c'était une brise rafraîchissante. Du moins, le malade mental n'avait pas trop chaud et ne le trouvait pas si mauvais de rester là, assis avec son père, le nombre d'heures requis pour recevoir un peu d'argent de celui-ci, comme on recevrait un salaire, pensait-il. En outre, il n'y avait pas beaucoup de gens en ce lieu plutôt éloigné des entrées, cela au goût de l'aliéné qui préférait la solitude et le silence. Et quand les gens passaient, ils pourraient certes placer un doigt d'une de ses mains dans l'oreille du même côté et un doigt de l'autre main dans l'autre oreille, cela pour éviter la peine provoquée fréquemment chez lui quand il écoutait l'anglais, et tout en continuant de lire un livre français ou allemand ouvert sur son giron. Le psychotique condescendait, ou peut-être parvenait, cet après-midi, à parler deux fois à autre avec son père, depuis que celui-ci lui parlait en yiddish, sa propre langue maternelle, car le fils, après son engouement pour l'étude de langue, avait demandé et demandait encore que son père ne lui parlât qu'en yiddish. Et le schizophrène parlerait l'allemand qu'il étudiait à son père. Mais le père n'aimait pas cet arrangement. Et il tentait de décourager son fils schizophrénique d'étudier les langues étrangères en lui discourant. L'étudiant schizophrénique ferma les oreilles aux attentes paternelles, ou plus exactement, il se les boucha fortement. Dans le cabinet de travail où il était assis devant son grand bureau à cajou, le schizophrène lisait tout en ayant chaque oreille bouchée d'un doigt pour ne pas écouter sa mère si elle parlerait en l'idiome douloureux à lui. Il y avait des jours où la mère ne montrait guère à son fils malade mentalement et peut-être également vaurien que du mécontentement, de la fatigue, du dégoût et de la belligérance au sujet de la conduite de celui-ci. Elle faisait
faisait alors bien résonner les talons en s'approchant pour n'importe quelle raison du cabinet de travail où il se tenait la plupart du temps la porte toujours fermée. Et fermée, apparemment, parce qu'il trouvait la présence de maman tellement embêtante. Elle ouvrait la porte quand elle était dans un tel état d'âme, aussi bruyamment que possible, en la faisant crasser, et elle entrait en tenant la tête bien détournée de son fils, comme pour dire à ce dernier qu'il était trop vil pour qu'elle le regardât, et elle faisait son affaire de manière criarde. Cette approche tapageuse contrastait fortement avec les temps fréquents où elle s'approchait de la porte du cabinet de son fils sans qu'il pût en écouter le moindre bruit et ouvrait la dite porte très vite, maintes fois avant qu'il ne pût se boucher les oreilles, en commençant à crier très fort et ouvrir la porte en même temps, comme pour triompher sur lui, pensait-il, en le faisant souffrir de ses paroles anglaises. Donc, il écouterait, non filtré, une vague de propos de sa mère. Mais, même quand, après s'être approché à pas de loup, elle entrait en éclair et tonnerre, le psychotique réussissait parfois à se boucher les oreilles avant que sa mère ne parvînt à jeter la tête à travers l'entrée pour, pensait-il, le regarder comme désespéré, essayant de vite se boucher les oreilles, tandis qu'elle continuait à débiter rapidement et à tue-tête des vocables de la fameuse langue anglaise. Questionné par sa mère, l'étudiant aliéné se pressait les doigts plus fortement dans les canaux auditifs, tout en oscillant sans cesse le bout de ses premiers pour créer un son continu par la friction de la peau et de l'ongle contre la peau et le cartilage sous-jacent des dix canaux. Et pas, et ceci est beaucoup plus important, la variation continue ainsi produite de la pression de l'air entre le doigt bouchant l'oreille et la membrane du tympan de cet organe, laquelle membrane étant donc déplacée incessamment et transmettant cette motion à l'organe sensoriel de l'audition par l'intermédiaire naturellement de la chaîne de trois osselets de l'oreille moyenne, le marteau, l'enclume et l'étrier respectivement, et du liquide dit endolymphique contenu dans l'oreille interne et remplissant l'organe sensoriel de l'audition comme aussi l'organe d'équilibration et d'orientation. Bien entendu, tous ces efforts de la part du schizophrène visaient à d'autant plus noyer les paroles anglaises de sa mère, lesquelles l'agaçaient tellement. La mère de l'étudiant aliéné disait souvent quelque chose de bien inutile. Du moins, le jeune homme le pensait-il, et naturellement, en anglais, elle semblait si remplie d'une espèce de joie macabre par chaque opportunité d'injecter en quelque sorte les mots qui sortaient de sa bouche dans les oreilles de son fils, son seul enfant. Ou, comme elle le lui avait de temps en temps dit, son unique possession. Elle semblait si heureuse de faire vibrer le tympan de cette unique possession et par conséquent les osselets de l'oreille moyenne de la dite possession, son fils, possession, son fils. En unisson presque exact.
avec ses cordes vocales à elle. Et en dépit qu'il en eût, schizophrène jouait de l'orgue électrique pendant des heures. Des chansons, des chants, de vieilles et de nouvelles pièces à succès. Étant plus jeune, le schizophrène avait écouté à la radio beaucoup de chansons diverses et en avait aussi écouté beaucoup dans bon nombre de réunions dansantes auxquelles il avait assisté tout en y faisant pour la plupart du temps tapisserie. Ainsi avait-il consciemment et subconsciemment associer les mots de bien des chansons avec la musique et vice-versa. Donc, les études de langue du jeune homme aliéné étaient accompagnées très souvent de la musique émanant d'un ou même deux très vigoureux haut-parleurs branchés à l'orgue et dont le volume était ajustable de zéro à des hauteurs assourdissantes. Certes, la mère du malade mental jouait à peu près toujours aux intensités plus fortes, comme pour montrer aux voisins qu'elle possédait quelques capacités de manier les claviers d'un orgue. Plus ou moins pareillement, elle semblait vouloir montrer à presque tous ses interlocuteurs que sa voix était naturellement haute, aiguë, perçante. De toute façon, le jeune homme psychotique
ne voulait pas entendre l'orgue quand sa mère jouait des chansons dont jadis il avait beaucoup écouté à la fois la musique et les paroles et dont par conséquent la seule musique faisait passer simultanément et automatiquement dans sa tête les mots anglais correspondants malgré ses efforts de n'y pas penser et il se murmurait maintes fois morose. Comment pourrais-je jamais réussir dans mes études des langues si je vais penser toujours aux paroles anglaises de ces sacrées chansons ? Pour une raison quelconque, une chanson populaire que sa mère jouait fréquemment était... Good night, ladies. Qui veut dire bonne nuit, mesdames. Et en particulier, le mot ladies irritait l'étudiant schizophrénique, sautant dans sa tête avec presque chaque phrase de la pièce. Et vraiment, nonobstant, les doigts fortement enfoncés dans chaque oreille, la mélodie lui perçait le crâne et probablement, en particulier par l'os temporal, jusque dans le cerveau malade, en faisant vibrer, peut-être littéralement comme un tout, comme un seul bloc, la boîte crânienne, sinon même cet organe délicat et affligé qu'était son cerveau, car le son émanant du haut-parleur était tellement plein, tellement fort, faisant souvent vibrer palpablement, sinon visiblement aussi, et même les murs. En particulier, et à peu près toujours, un abat-jour métallique fixé à la lampe sur le bureau d'études de la dînée tintait tout en retentissant au rythme de la musique de l'orgue quand sa mère en jouait ce qu'elle faisait d'habitude à forte intensité. En effet, le volume du haut-parleur était souvent suffisant pour une grande salle publique. Or, le monde contenant heureusement et logiquement à moitié des femmes, ce mot anglais qui les symbolise, c'est-à-dire « ladies », causait des ennuis aux psychotiques presque partout pendant les rares fois qu'il se trouvait hors de la maison de sa mère, ayant osé... malgré son triste état d'aliénation, sortir dans le monde où, lui semblait-il, on pouvait à un moment quelconque dire à n'importe quelle femme passante... Madame... Il craignait même parfois, étant au dehors, d'avoir besoin d'uriner ou d'aller à la selle, car il lui faudrait lire l'inscription à la porte du lieu d'aisance et... il y aurait alors une bonne possibilité que ce mot « ladies » lui frapperait les yeux, l'entrée au lieu pour les hommes étant de même apparence que celle au lieu pour femmes, du moins dans beaucoup d'établissements. Ladies. Cependant, il y a le mot allemand « ladies » Leute, qui veut dire gens. Et les femmes sont certes des gens. En effet, approximativement la moitié de tous les gens. Et par conséquent, l'étudiant des langues, presque toujours et à peu près idiotiquement, s'efforçait de convertir dans son esprit et instantanément l'anglais ladies en allemand Leute. Quand il venait d'écouter ce premier, ou d'être frappé dans les yeux par lui, ou même de penser à lui, Leute. Ladies. Mais cette transformation n'allait pas très bien. Ladies. Voici qu'un jour,
Tandis que la mère du psychotique jouait à l'orgue la vieille chanson « Good night, ladies ». Bonne nuit, mesdames. Et qu'en particulier, le vocable « ladies » entrait involontairement dans la pensée pervertie du jeune homme, il se souvint soudainement du mot russe « lute », qui, tout comme l'allemand « leute », a l'accent tonique sur la première syllabe et veut dire « Jean ». Et même si c'était curieux, le mot russe paraissait à l'étudiant de langue schizophrénique plus que le mot allemand ressemblait tant en prononciation qu'en orthographe à l'anglais « ladies ». La différence principale entre ces deux mots russes et anglais lui semblait résider dans leur première voyelle, et même ces voyelles lui paraissaient plus proches l'une de l'autre que dans le cas de la comparaison avec le mot anglais « ladies » et l'allemand « leute ». Sans doute l'idée d'une plus grande ressemblance entre l'anglais « ladies » et le russe « ludi » provenait du fait d'aider comme un. L'allemand « leute » visiblement ne contient pas cette lettre. Ainsi, lady, ou son pluriel, lady, rappelait immédiatement au schizophrène le vocable russe. Ludi, ludi, ludi. Il pouvait alors souffrir le mot de sa langue maternelle. Il pensait, en de tels cas, augmenter son arme contre la langue qu'il trouvait souvent tellement agaçante, et sans doute également contre sa mère, qui lui semblait user de cette langue d'une façon encore plus agaçante. Il pouvait, plus ou moins instantanément, convertir un mot anglais en un mot étranger, volontiers par un moyen bizarre, artificiel, contre nature, mais évidemment très acceptable, même nécessaire à son pauvre esprit perverti.
en conséquence de certaines réflexions plus ou moins irrésistibles, l'étudiant d'idiome se disait fréquemment « Je suis fou ». Parfois, ça se passait après qu'il n'avait pu apprendre pendant des heures que piteusement peu dans ses études de langue. L'aliéné se disait à ces moments-là involontairement et en sa langue maternelle « I'm mad », ce qui bien sûr signifie « je suis fou ». Il se disait cela en effet quelque machinalement et tout en ayant une idée vague que ce reproche de lui-même l'aiderait d'une manière quelconque à éviter de mauvaises habitudes à l'avenir et même à améliorer son état d'incapacité. Cependant, cette petite phrase d'autocritique le déprimait, parfois presque le bouleversait, et cela parce qu'il l'avait pensé en anglais, ce qui était, comme nous l'avons vu à maintes reprises, en opposition à ses desseins. Le mot « mad »,« fou » faisait aux schizophrènes la plupart du temps mal, causé par la phrase anglaise ci-dessus, et sans doute ce serait tout au moins déconcertant à quiconque que d'avoir un mot signifiant « fou » revenir souvent et involontairement à la pensée. Et le psychotique, lui, se posait des questions. Pourquoi ai-je pensé cela? Comment vais-je apprendre toutes ces langues étrangères si je continue de penser en anglais? Quelque ironiquement, malgré cette récrimination de soi-même au sujet du monosyllabe « mad », l'étudiant des langues rencontra un jour, une fois de plus dans sa lecture, le mot français « malade », bien connu à lui depuis longtemps, mais cette fois-ci, il pensa immédiatement que l'on considère l'aliénation comme une maladie et donc un fou comme un malade. Ainsi avait-il l'idée d'associer l'anglais « mad » « fou » au français « malade ». Dès lors, quand il penserait au monosyllabe « mad », quand il l'écouterait, quand il serait frappé dans les yeux par lui, possiblement comme suite de jeter accidentellement un regard sur une manchette de journal, il n'aurait qu'à intercaler sur le champ, dans ce mot, les deux lettres L-A. Une seule syllabe, soit phonétiquement, soit visuellement, soit même en utilisant ces deux moyens à la fois, mais toujours dans son imagination. Et il aurait instantanément un vocable étranger, tout au moins dans l'essentiel, à savoir le mot « malade », un vocable donc relativement inoffensif à son esprit perverti. Malade. 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 Bien entendu, il y a d'autres mots anglais qui veulent dire fou. Et parmi lesquels, crazy. Et longtemps, ce vocable causait lui aussi de la peine à l'étudiant de langue schizophrénique. Crazy étant naturellement d'un emploi très fréquent. Par exemple, par les gamins des rues. Non rarement, ses pères et beaux-pères, à force d'importunité et parfois même de menaces, le décourageaient, le temps faisant beau, de rester continuellement casanier et claquemuré.
Le plus souvent, c'était sa mère qui lui suggérait d'une manière réitérative que ça lui ferait du bon que de sortir, de prendre du soleil et de l'air, de se promener un peu. Et naturellement, dans les rues de la grande ville, on ne pouvait guère éviter d'écouter beaucoup de mots de la langue officielle du pays. Même à la maison, où, craintif il restait malgré tout presque continuellement, le malade mental était loin de réussir à éviter tout à fait d'écouter les mots anglais. Même si la plupart du temps, il était assis à son bureau dans le but d'y lire, d'y étudier, en ayant ou en pouvant avoir, et sans guère d'incommodité, chaque oreille bouchée d'un doigt, soit, comme nous l'avons vu, sa mère hurlerait soudain quelque chose, soit un polisson jouant dans la rue ferait de même, et à un moment où il n'avait pas l'une ou l'autre, ou même aucune oreille bouchée. Un jour, le malade mental se trouvant dans la rue, restait appuyé contre un réverbère, comme d'habitude, plus ou moins dans un état d'asthénie et d'abasourdissement. Deux jeunes adolescents du voisinage passèrent et l'un dit en employant « Crazy !»« Il est fou ce type-là !» L'autre répondit plutôt à voix basse « Je le sais bien !» Mais d'un ton comme si cela était un fait connu à tous. Et pour ainsi dire, c'en était un. Ce vocable anglais signifiant fou, crazy, troublait le schizophrène depuis longtemps, et quand il écoutait, il se reprochait parfois de ne pas avoir un doigt dans chaque oreille, de ne pas avoir vraiment de l'enthousiasme pour l'étude des langues, et ainsi de suite, ses récriminations de soi paralysant plus encore son cerveau dérangé. L'étudiant schizophrénique était un beau jour d'été, debout, à la fenêtre ouverte qui laissait entrer une brise rafraîchissante et beaucoup de lumière. La brise et la lumière l'avaient attiré dans un moment rêveur, comme cette dernière peut la nuit attirer des phalènes, et même leur mort. Au dehors, deux voisins conversaient par-dessus une clôture et environ une demi-minute après que le schizophrène se fût montré à la fenêtre, l'un d'eux dit à très haute voix, possiblement en allusion à ce premier, « Moi, je ne suis pas fou !» Et en employant pour fou l'anglais « Crazy !» Bien entendu, l'étudiant schizophrénique se reprochait de s'être négligemment laissé attirer par la fenêtre ouverte comme une phalène par la lumière et d'avoir par conséquent à nouveau écouté un autre ennuyant mot anglais, sans parler de s'être exposé peut-être à une insulte. Mais, bien sûr, il retrouvait plusieurs jours plus tard
un mot étranger, familier, en effet français, qu'il pensait pouvoir dès lors associer vite et aisément avec ce mot anglais signifiant fou, c'est-à-dire avec crazy. Et donc plus ou moins détruire ce mot dans son esprit, le mot français visé lui semblait suffisamment similaire dans le son et dans le sens à l'anglais crazy pour qu'il ne souffrit guère de la perception de ce dernier. Il s'agissait du français crise. Et en particulier au sens de crise de nerfs. Et en même temps, le psychotique pensait que ce vocable est féminin. Mentionnons cependant que le nom anglais craze veut dire folie, tocade, et que le français crise se traduit en anglais par crisis, tout devenu du grec grec crisis, signifiant jugement. Naturellement, le je me nomme aliéné inventerait plus tard beaucoup d'autres associations plus précises en ce qui concerne à la fois la signification et la phonétique. Par exemple, il pourrait aussi changer dans son esprit l'anglais « crazy » en le français « toqué » suivi immédiatement de l'allemand rasend, qui veut dire furieux, enragé, fou, extravagant, ou plutôt rasend commencerait toujours dans son esprit entre les phonèmes K et E de toquer. Toc rasend, toc rasende, crazy toc rasende. Le schizo était pendant de longues heures assis sur la terrasse devant la maison, pensant, réfléchissant, rêvassant, ou la tête vide et ne pouvant s'expliquer les choses, et ce qui devait attirer encore plus l'attention sur lui, avec une puissante radio portative à lampe qu'il avait l'habitude de faire hurler de la musique, surtout instrumentale, symphonie, sonate, suite d'airs de danse, concerto pour piano, au violon, au violoncelle, poèmes symphoniques et d'autres musiques descriptives, ballet, musique de bande sonore, duo, trio, quatuor, quintet, fugue, ouverture, variation, mais parfois même madrigaux, motet, messe, opéra, oratorio. Et il m'a imposé en quelque sorte cette musique sur les passants, et comme s'il tenait une sérénade, comme si peut-être lui
Et non, la radio faisait de la musique et quelques thèmes, quelques motifs, quelques phrases, quelques mesures lui semblant vraisemblablement d'autant mieux qu'une jolie fille devait écouter ses sons en partant. Et vous en sans doute également se faire gloire d'écouter de la musique pour intellectuels, laquelle, de toute façon, souvent, le transporterait thème entraînant, émouvant, voluptueux, rythme dynamique, phrase éclatante, fulgurante, instrumentation riche. Bien du bruit, tout l'orchestre semblant se mettre de la partie, du son semblant venir de tous les côtés, et pas rarement, peu ou prou, comme une discussion chaude entre les cordes, les cuivres, les bois, et tout excité par la batterie. Et de plus, il lui semblait que beaucoup de jolies jeunes filles passassent comme si elles eussent voulu d'une manière quelconque l'aider, du moins un peu, à sortir de la folie. Le schizophrène était maintes et maintes fois plus ou moins paralysé par la pensée obsédante que si l'on était vraiment incertain du bien possible d'une action, peut-être plutôt d'un mouvement, il valait bien mieux ne pas le faire. Rien alors lui semblait tellement bête que de faire une bévue, une erreur, de se tromper, comme résultat de s'être déplacé, de s'être mu, de ne pas s'être tenu tranquille et de ne pas avoir fait l'opossum. Mais il faudrait mentionner que son tracas, sans doute le plus fort, est sa préoccupation obsédante de plus ou moins se jouir de la vie, même de vivre sans douleur. Car d'une part, il y a toujours, sans aucun doute, des gens en proie à la souffrance, à la vraie souffrance. Et d'autre part, même si, miracle de miracle, tout cela cessait d'être, il n'en resterait pas moins le fait que cela avait été, qu'il y avait eu
tellement de souffrances au monde, et plus que probablement cette souffrance avait été une condition nécessaire, par exemple, pour qu'il soit né personnellement, pour qu'il existe en tant que lui. Du reste, la souffrance la plus vive, souffrance physique, n'avait-elle pas été une nécessité préalable pour la naissance de l'homme tout entier, de l'espèce humaine, et n'était-elle pas quelque chose que la vie rend plus que probable, quelque chose d'intrinsèque à la vie ? Ne le devait-on pas aux êtres vivants et morts, au moins à certains d'entre eux, de souffrir pareillement à eux ? Mais peut-on sentir significativement le mal d'un autre et seulement au moyen de mots ? Peut-on même réellement remémorer son propre martyre sans le mettre en mots ? Quoi qu'il en soit, le schizo penserait que peut-être la meilleure preuve que la vie vaut et que les gens qui ont vraiment souffert veulent néanmoins, en général, vivre. Des grands brûlés, des presque noyés, des mutilés, d'autres accidents, etc. Et que très possiblement, la majorité écrasante de ceux en train de souffrir à ce moment même, eux aussi, veulent néanmoins vivre, plutôt que la mort mette un terme instantané à leur martyre. Ne serait-il pas justifié de se mouvoir, de sortir de sa paralysie, tout au moins en pensant bien au résultat de quelques vraiment bels exploits intellectuels de l'humanité? Il commençait enfin à voir clair que peut-être, même si la souffrance pouvait être tellement insupportable, était-il juste de vivre, de vouloir vivre, d'éviter la douleur, les choses nuisibles, car la vie déjà existe, et cela toujours, même si des multitudes ont nécessairement souffert auparavant, et qu'en vie on court bien le risque de souffrir, comme ils l'ont fait, de brûler vif, d'être noyé, écrasé, à tête d'une colline de misère. Quand il était obsédé par des idées paralysantes, il se demandait comment il avait su que, à chaque instant de l'action, ce qu'il avait fait avait été ce qu'il aurait dû faire. Et quand ses pensées parasites allaient à l'extrême, il lui semblait qu'il fît quelque chose, même si paradoxalement c'était faux. Il ne faisait rien du tout, ou rien que songer. Les jambes n'étaient-elles pas évidemment faites pour marcher et les bras pour prendre des choses ?
Voulait-il être une créature vivante ou une pierre immobile ? Et pourquoi se donner tellement de mal pour être tellement contre nature, tellement inhibé ? N'était-ce pas plus beau, étant donné la configuration des molécules de son cerveau, des cerveaux des autres, ou plutôt, étant donné la condition des choses, de se comporter d'une façon moins folle, et même s'il ne put guère jamais penser qu'il sache quoi que ce soit. Sans doute, une certaine sorte d'effort était-elle nécessaire pour ne pas s'affaisser, pour ne pas s'arrêter, pour continuer d'agir, pour vivre, pour être sensé, lucide. Mais peut-être faire cela est-ce moins difficile, malgré une certaine répugnance là-dessus au moment d'agir, que de s'affaisser, de s'arrêter, de tomber dans un état de stupeur, d'être un objet inanimé suivant la ligne de moindre résistance. Trouverait-il sa liberté perdue? Chambre 431. Je continuais de regarder très attentivement le corps de ma mère et les minutes passaient. Pas le moindre mouvement perceptible. Sans doute que les myriades et myriades d'électrons très très minuscules, invisibles, gravitaient à des vitesses folles et à des distances relativement astronomiques autour des noyaux atomiques également très très minuscules et invisibles dans un vide quasi total, car même la matière d'apparence la plus solide ne serait que presque entièrement du néant. Aucune réaction, donc. Aucune résurrection. Pas même la plus petite palpitation perceptible visuellement. Je restais immobile. C'était encore et toujours le 18 mai 1977.
C'était le 686e anniversaire de l'attaque réussie des Turcs contre Acre. Dernière place forte des croisés dans la soi-disant Terre Sainte. C'était le lendemain des élections en Israël où les socialistes sous Shimon Peres furent défaits par la coalition de droite sous Menachem Begin. C'était le 335e anniversaire de la fondation de la ville de Montréal. C'était le 157e anniversaire de la naissance de Karol Wojtyla, futur pape polonais, incapable de comprendre le sens profond de l'Apocalypse, que revoici. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et c'était surtout le jour de la paix, je crois. Et quoi que disent les idiots antinucléaires, nous n'avons malheureusement pas du tout suffisamment de grosses bombes pour exploser notre maudite planète. La seule paix véritable est celle d'une planète disparue. Je ne connais évidemment pas combien de millions, de milliards, de nonillions de planètes se sont donné une vraie euthanasie thermonucléaire cette nuit du 17 au 18 mai 1977. Mais la Terre, hélas, n'était pas encore de leur nom.